Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez transformer l'application WhatsApp en espace de stockage pour vos photos et vos documents en toute sécurité. Alors si vous avez un smartphone Android ou iPhone de moyenne gamme et vous avez un problème avec l'espace de stockage sur votre appareil et particulièrement ce qui encombre l'espace de stockage, c'est les photo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une astuce qui va vous permettre de transformer facilement et rapidement WhatsApp en espace de stockage pour vos photos et vos documents. Et vous êtes le seul à y accéder. Pour ce faire, vous allez lancer l'application WhatsApp, ensuite toucher les trois points. Après, toucher nouveau groupe, choisir au moins un participant parmi vos contacts qu'on va supprimer après. Ensuite, toucher ici, vous pouvez nommer votre groupe, je vais le nommer mon espace, voilà, ok, le groupe est créé et il y a un seul participant dans ce groupe. Voilà maintenant ce qu'on va faire. Une fois à l'intérieur des groupes, on va toucher les trois points ici. Ensuite, on touche information des groupes et voilà le participant, le seul participant qu'on a ajouté. On va le toucher et à partir de cette liste, on va retirer. Moi, ça veut dire le nom des participants qu'on a ajouté, on va toucher retirer. Ok. Alors, maintenant, dans le groupe, il n'y a qu'un seul participant, c'est vous. Et vous êtes en même temps l'admin du groupe. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez commencer à ajouter vos photos et vos documents dans le groupe. Et puisque vous êtes le seul qui peut accéder à ce groupe, personne ne pourra accéder pour voir ce que vous allez publier dans le groupe. Ça veut dire vos photos et vos documents. Voilà. Donc, cette astuce va vous permettre de transformer WhatsApp en espace de stockage pour vos photos et vos documents en toute sécurité. Ainsi, vous allez alléger l'espace de stockage de votre appareil. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.